à tout le monde, c'est Azuric Piracia. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 5 de notre aventure 100% sur Super Mario Bros. Wonder. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, les amis, je vais très bien. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de ce Let's Play sur ce Mario Bros, évidemment. Donc, écoutez, on continue notre aventure. On est oh, c'est magnifique ce fichier. En fait, je vois pas. Ok, en bas, ils nous ont des genres de médailles aussi. Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas du tout. Bon bref, on va voir. Hein. D'ailleurs, on est à... on était à 50 points. Je pensais qu'on était à 500 points. J'allais dire, comment ça se fait qu'on a... on est à 500 points. Mais du coup, ouais, les amis, aujourd'hui, on va pouvoir continuer notre aventure. Alors, évidemment, on est voilà dans la plaine des tuyaux. Et du coup, ben, on va tout simplement continuer notre aventure. Alors, souvenez-vous, on avait fait plusieurs stages dans l'épisode précédent. Il nous reste à faire quoi? Attendez, j'aimerais bien... voir la world map, je sais plus comment on fait pour voir la world map. Elle est là. Alors du coup, il nous manque encore, voilà, on a fait tout ça déjà. Ok, et on va du coup bah, s'attaquer au niveau du haut, tout simplement. Sachant que là, on a fait tout, hein. Course non stop, oui. Tout ce qui est bleu, c'est qu'on a fait. D'accord, parce que oui, c'est vrai que tout ce qui est bleu, c'est comme dans les Mario Bros de base. On l'a fait, tout ce qui est pas bleu, c'est qu'on l'a pas fait. Allez, du coup, on va là. Voilà, et du coup, ça on l'a fait, Koopa et Patin. Et du coup, bah écoutez, on va faire le petit défi badge. Parachapeau numéro 1 avec difficulté 1 étoile. Donc écoutez, bah, on y va avec une petite graine, une petite Wonder Seed. Une graine Wonder. Donc écoutez, on y va. Le défi badge para. Maîtriser le badge parachapeau dans les airs, maintenez R ou secouez la manette pour ouvrir votre couvre-chef et flotter lentement vers le bas. Ok. Ok, attendez. Tac. Oui. Ok. Voilà, on en a... Ah d'accord, il y a des pièces violettes sur ce stage là. Hé hey. J'aurais bien aimé aller là-haut. Tac. Voilà, on va les mettre là. Putain, mais t'es sérieux là? Voilà, on l'a aidé. Ok. Ouais, on aide, hein, écoute, nous fait des petits points et tout, on les aide les gens. Vaut mieux les aider comme ça, ils nous aideront également en retour. Il faut se dire ça. T'es sérieux là? Putain, on n'a pas réussi à aller là-haut quoi. Putain, on n'a pas réussi à aller là-haut quoi. Allez, voilà, pas mal. Ah merde, elle est morte. On va mettre un petit truc ici pour les sécuriser parce que les gens, ils commencent à avoir des difficultés après. Et voilà, prodigieux, c'est bon, on est arrivé. On est arrivé. C'est trop stylé ce défi badge. J'ai kiffé. C'est trop bien, ce petit niveau. On a aidé quelques de nos confrères. Voilà, donc du coup, on va juste aller voir si le stage est bien complété à 100%. Ouais, on le voit qu'il est bien complété à 100%. Nous avons eu du coup 3 pièces violettes. C'est ouf qu'il y a des pièces violettes même dans ce stage là. Bon, bah écoutez. Et du coup, ben, on va tout simplement... Oh! Je m'en doutais qu'elle allait avoir un secret, c'est bizarre. Qu'il s'était aussi... Oh, Starf, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, mais en fait, différemment, on a des graines différentes. Enfin, de couleurs de graines différentes. Ça fait comme, te rappeler comme dans Mario Odyssey. Par contre, on voit un point d'interrogation là-bas. Mais quelle vue! Tu ne t'attendais pas à trouver quelqu'un ici, pas vrai? J'étais en train de chercher un trésor et paf, je me suis fait surprendre par une tempête de neige. Alors bon, je n'ai rien trouvé à part cette vue splendide. Ah mais si, voyons, je me suis pris 50 pièces fleurs dans la figure pendant la tempête de neige. Tiens, j'espère qu'elles te serviront de ton aventure. Ok. C'est trop stylé, merci. Et du coup, tu donnes rien d'autre? T'es en train de chercher des trésors, ah bon, j'ai rien trouvé. Ok, d'accord. Bon bah du coup ça nous fait notre deuxième secret. Ouais, parce que c'était trop bizarre que là, vous voyez, il y avait rien. En plus c'est caché derrière les nuages. Donc bon, il faut toujours être attentif sur ça, hein. Il faut voir s'il n'y a pas d'autres secrets. Ouais, vous avez eu des petits secrets.
Faut toujours longer les bords et tout dans les jeux. Hein. Ça me fait rappeler comme dans les niveaux Kirby, dans les jeux Kirby et le monde oublié, tout simplement. Intermède, Roplipo saute. Ok. On va voir ce que c'est. Hein. Intermède, Roplipo qui saute. Enfin, Roplipo saute. Ok, je viens de comprendre ce qu'il faut faire. Oh, Starfall là. Voilà. Par contre, attendez, tac, on va mettre ça comme ça. Y'a rien là. Y'a pas un petit bloc secret. Non, y'a rien. Bah écoutez, why not. On l'a obtenu. Notre petite graine. Putain, ça on s'en sort bien aujourd'hui. Pour le moment, on s'en sort bien. Ok. Bon, bah là, on n'a plus rien à faire là-haut. Ça, c'est une évidence. Alors, on va quand même regarder, on sait jamais. Ouais, parce que là, il peut y avoir des petits raccourcis. Hein. Bah, il peut y avoir des petits trucs. Hein. Ok. Alors, du coup, des stages. Alors, du coup, on peut voir que là-haut, c'est fait. Là-haut, c'est fait. Du coup, il me manquera bah, plus que les trucs à droite. Hein. On y va, on va du coup enlever ça. Il nous faut 10 graines, donc on les a larges. Alors c'est comme dans Mario 3D World, vous avez vu, il nous fallait 10 graines pour y aller, mais ça nous enlève pas nos graines. C'est ça qui est bien. Donc en fait là vraiment on va pouvoir, on peut les enchaîner après les trucs. Course Wiggler, rallye champêtre, difficulté une étoile avec une Wonder Seed. Qu'est-ce que ça va être? Rallye. On va faire la course avec le Wiggler. Ce serait trop stylé comme dans la mission de Mario Kart, de Mario Kart DS. Arrivez avant le Wiggler, déplacez-vous maintenant. X pour courir, franchissez la ligne d'arrivée avant le Wiggler. C'est trop stylé. Attention. Merde. Hop. On y va, on court. Vitesse maximale. Ta mère. Ah. Putain. Évidemment, quelqu'un qui veut absolument ce secours, que je le secours. C'est bon, on y arrive pour le moment. On va se concentrer. C'est quoi ça? Oh, stylé. Ah merde, il y avait un truc là-haut que je peux pas récupérer. Bon, bon c'est pas grave. On verra si on a fini le niveau à 100% avec... Allez, 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 je suis désolé, c'est le chien qui aboie. Ah bah voilà, on a franchi la ligne d'arrivée. 1 minute 73. Bon, parce qu'on a pris du temps. On aurait pu y arriver bien avant. On aurait pu y arriver bien avant, donc... Je veux juste savoir si on n'a pas obtenu, enfin s'il n'y a pas un petit truc secret après. Super, on a réussi, on a rapporté un des fameuses courses Wiggler du Royaume des Fleurs. Wiggler a été sympa, il nous a donné un badge de champion gratis en récompense. Un badge champion? Ce badge est très chouette, dès qu'on commence un stage, on reçoit les effets d'un super champignon. Bah super. Tu veux que je l'équipe? Non, plus tard. Ça nous fait notre troisième badge du coup. Donc il faudra que je l'ajoute en bas, il faudra pas que j'oublie. Donc un badge champignon, ok, donc c'est un badge rare, considéré comme d'aller rare. Ok, badge bonus, badge action. Commencer le stage avec un super champignon. D'accord. Non, on va laisser pour le moment notre parachapeau. Parce que j'ai l'impression que ça c'est plus pour obtenir des bonus, genre pièces, etc. On aura certainement même plus pièces étoiles. Enfin, pièces violettes, je veux dire. Donc voilà. Choix du prince. Ah, mais on peut même juste random. Non, on va les laisser comme ça, je pense que c'est bon, non, pour jouer. Alors du coup, on va pouvoir continuer. Ok. Oh non, ils se sont même emparés du palais. C'est là que nous gardons la graine royale. Il s'agit de notre bien le plus précieux. Il faut absolument qu'on intervienne avant qu'ils ne s'en servent pour faire quelque chose de terrible. Ok. Alors, nous avons plusieurs choses. Oulala, ça se sépare. Par contre, ça fait très Forest Maze dans Super Mario RPG. Je sais pas si c'est une référence directe. Nous avons... Oh là là, la calvache à dos des Coursiraptops.
difficulté 4 étoiles, donc ça a l'air très très difficile, et 2 Wonder Seed, donc on va également, bah on va les faire, on va le faire maintenant. On va profiter de faire le truc le plus difficile maintenant. 4 étoiles, what the fuck. Alors là, ça va être un niveau what the fuck, hein, je vous le dis. Oh mon dieu, ok. Je vois pourquoi ça a l'air d'être difficile. Ok. Alors, il y a un truc à gauche. Qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu. Je comprends pas pourquoi ça va être difficile. Oh, à mon avis, il y a des pièces violettes, hein, je précise. Ouais, il y a des pièces violettes, hein. Faudra pas les louper. J'ai déjà loupé des... Ah bah super. Non, abandonner, ça part. Ça sert à rien. Ok. Ah, ça m'a fait... Je me suis fait surprendre parce que je savais pas à quoi ça ressemblait un petit peu ce niveau. Ok. On a un petit peu le prémices de ce qui nous attend. Ok. Oh putain. Oh mais c'est hard. Oh vraiment, on est à peine au début du stage, hein. Le truc c'est que j'ai pas le temps d'avoir le champignon. Parce que je sais pas ce que ça fait quand on a toutes les... Est-ce que ça... On va pas avoir un truc... Un item quoi. Enfin, est-ce qu'on va pas avoir un truc bleu quoi. Ok, ça va être un stage compliqué. Heureusement qu'on l'a fait maintenant finalement. Ça sera notre dernier stage certainement aujourd'hui. Donc là, il n'y a pas le choix. Il faut au moins s'avancer le plus possible. Putain, ouais non mais c'est impossible. Ok. Oh putain. Vite. Mais putain, mais je connais pas le chemin moi. Je connais pas le chemin, putain de merde. Ok, bon, on comprend. Ouais, il faut. En fait, c'est le type de niveau dans lequel il faut connaître le chemin. Y'a rien. Ok, bon, on sait jamais. C'est le type de niveau dans lequel il faut connaître le chemin. Oh Starfla, mon dieu, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. C'est juste une question d'envie, de temps. Ouais, on connaît du coup un petit peu le chemin. Donc là, on sait qu'il faut sauter. Après, là, il va y avoir là, le petit interrupteur qui va être là. Voilà, on commence à connaître. Merci. Ok. Tous les coups, il faut tous les avoir, les pièces bleues. C'est ça qui me rend fou. Il faut être le plus en avant possible. Là. Super. J'ai nous loupé déjà. Putain. Ok. On n'a jamais été aussi loin. On en a loupé des pièces violettes. Hein. Oh putain, alors là. Pas grave, de toute façon, dès qu'on meurt, on récupère. Ça garde notre pièce violette. Comme dans Mario 3D World plus Bowser Fury où ça garde nos étoiles vertes. Donc là, on n'a plus les pièces violettes à s'occuper. Bon, par contre, maintenant, on doit s'occuper des pièces bleues. Par contre, les pièces bleues, je pense qu'il faut toutes les récupérer pour avoir le truc, non? Je sais pas, mais bon, j'imagine que oui. Putain, 4 étoiles, c'est des fous. C'est quoi ce niveau hardcore d'un coup? On était tranquille, on avait des niveaux aisés. Ok, donc ça, ok. Ah, d'accord. J'ai oublié de sauter comme un blanc ici. J'espère que ça va pas niquer la chose. J'ai oublié une pièce, un truc là. Celui-là, on l'a déjà récupéré. Il faut avancer le plus possible, hein, je vous le dis. Vite, voilà. Ok. Ah, en fait, non. On n'aurait pas pu tous les récupérer, donc de toute façon... Ta mère. Vite. Ok. À quoi là-haut? Ok. Oh, merde. À mon avis, il y a un passage secret là-bas à droite. On peut pas y aller. Y a rien pour me dire que... Ah putain, c'est pour ça. En fait, il faut pas se faire toucher une fois. Il faut réussir à y aller sans se faire toucher. Oh, fait chier. Il faut avoir un genre de truc éléphant. Alors, il y a quoi là-haut? Oh, c'est gentil ça.
Ok, bon, il faudra le refaire quand on aura un truc éléphant sur nous. Oh, Starfola. Sérieux, hein? C'est bon, on a eu le déjà le plus, des plus difficiles. Bon, après, vu qu'on connaît le niveau, on pourra y arriver sans se faire toucher. C'est juste qu'on connaissait pas le niveau, en fait. Non, à mon avis, du coup, il y a un autre truc secret. Par contre, comment on fait pour l'avoir? Parce que là, du coup, on peut pas tout récupérer, c'est impossible, hein. Ici, donc je sais que... Par contre, on est d'accord, il y a un autre truc secret. Donc, à mon avis, là, il n'est pas défini comme terminé, hein. J'en suis sûr. Voilà, vous avez vu, il manque un petit truc, il manque l'entrée secrète. On va tenter d'avoir le petit un petit costume d'éléphant. Je sais plus où on en a les costumes d'éléphant. On va retourner au premier stage, d'accord. On va tryhard le premier stage. On va avoir nos deux costumes. Comme ça, au moins, on a un réserve qu'on utilisera uniquement à la fin. Et voilà, on y va. Et du coup, comme ça, on tryhard là, je vous le dis. Et après, on refait l'autre niveau. Et puis après, on s'arrête là. Je pense que c'est bien pour aujourd'hui, pour cet épisode en tout cas. Alors, tac. Voilà. Là, du coup, je peux casser tous les blocs. C'est magique, non? Un autre. Tac. Alors, j'aimerais bien obtenir un deuxième si c'est pas trop compliqué. C'est bien, on a du coup 200 petits points. C'est ça qui est bien. Il faut garder un petit peu nos points, hein, c'est important. Enfin, il faut garder. De toute façon, on est au plus chaud, je crois qu'il faut les garder, mais voilà, il faut qu'on ait nos points. Alors, du coup, on a quand même un costume de qu'on utilisera à la fin si on se fait toucher. On utilisera à la fin du niveau. Vas-y. Voilà. Vas-y. Merci. Voilà, je vous avais dit qu'on tryhard. Par contre, on récupère les petites pièces violettes parce que pour... Je vous rappelle, hein, on doit avoir tous les panneaux surprise. De toute façon, je sais pas si on va devoir farmer dans le let's play des pièces violettes, mais autant limiter l'épisode farm, entre guillemets. Voilà. Et du coup, là, on va tryhard de l'autre niveau. D'accord. Et comme ça, au moins, on est tranquille, quoi. C'est bien parce que ça nous fait du coup recommencer les autres niveaux, c'est ça qui est bien. Moi j'aime bien ce truc dans ce jeu où ils t'offrent pas le power up directement, ça te permet simplement de... Et en même temps de farmer en même temps, hein, entre guillemets, ça te permet de farmer. Hein. Allez, du coup on y va. Donc, on va refaire le niveau, bon on le connaît hein, maintenant, on peut s'en foutre des pièces violettes et tout. Voilà, allez on y va. Ouais, c'est quand on le connaît pas qu'on perd des vies quoi, parce que tout nous arrive d'un coup, on ne comprend plus rien. Tac, voilà. Tac. Voilà, donc du coup on va voilà, le plus en avant possible. On va quand même... Ah, bah, j'ai même pas activé ça. Tellement que j'ai une grosse hitbox que j'ai... Ah, bah, d'accord. Donc, vous inquiétez pas, on utilisera notre truc à la fin. Donc, notre panique. Tac. Ok, on gère. Là, on est vers la fin, c'est bon. On est vers la fin. Et voilà. Comme ça on arrête le truc. Oula 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 oula. On meurt? Non c'est bon. Allez du coup on y va. Voilà le petit truc secret, je m'en doutais. Il fallait s'en douter, il fallait pas se foutre de ma gueule. Voilà. Alors par contre c'est bien gentil mais comment on fait pour le... Ok. C'est bon. On est atteint l'arrivée.
de petits raccourcis, de petits trucs secrets, pardon. Bon, bah, du coup, on a notre dernière graine ici, en tout cas pour ce niveau-là. Et du coup, bah, on va pouvoir s'arrêter là. Et je confirme, je pense qu'on va pouvoir finir ce monde-là cette semaine. C'est ça qui est bien. Donc, il manque 2 épisodes. Et avec les 2 derniers épisodes, je pense qu'on aura fini. Donc, on ira tout simplement. Oh, un nouveau niveau! Ok, on ira faire tout ça dans l'épisode prochain. Merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 5 de notre... Oula, excusez-moi, de notre aventure 100% sur Super Mario Bros. Wonder. Alors, il nous reste tout simplement plus grand-chose. Hein. On peut voir que du coup, en termes de liste des stages, on peut voir que du coup, bah, il nous reste tout simplement plus que le niveau qui est un petit peu là-haut. Et le niveau est en bas, sachant qu'il y a des petits points en bas, plus le gros niveau, tout simplement. Donc, on fera tout ça en temps et en heure, hein, ne vous inquiétez pas. Merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 5 de notre aventure 100% sur Super Mario Bros. Wonder. Et on se dit à l'épisode 6. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde, hey, peace!